Lève la main droite. Lève ta main droite, s'il te plaît. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Tu vas répéter avec mon Seigneur Jésus. Je veux bénir ton nom. Éternel, tu es fidèle. Cet esprit, je crois en toi. Il y a une dame qui est en Italie et qui a un problème sur une maison avec l'homme avec qui elle était. Mais je vois l'homme qui est parti précisément dans le nord parce que l'homme est musulman. L'homme allait faire des pratiques pour pouvoir la tuer. Et cette femme a remarqué que dans ces temps-ci, elle ne se porte pas bien. Elle fait même des mauvais rêves. Femme, si tu es là, viens devant. Je vais prier pour toi. Il y a problème actuellement sur la maison. Arrête-toi là-bas. Tends-moi ta main droite. J'ai besoin d'un commando derrière elle. Je vois la lettre. Ils ont écrit qu'elle va mourir. Mais si je suis prophète de Dieu, je voulais prier pour la fin et l'Éternel me l'a montré. Mais à l'instant où je pars, ton marabout t'a dit que c'est fini, elle va mourir. Mais si je suis prophète de Dieu, je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Seigneur, tu es vivant. Fais trois pas devant moi. Fais trois pas. Viens devant. Deux. Trois. Arrête-toi. C'est bon. Tends-moi la main droite. Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort. Tu veux t'accaparer de la maison. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Mais l'Éternel est son Dieu. L'ange de la mort, tu l'as suivi jusqu'à l'entrée dans la salle. Mais l'Éternel me l'a montré, c'est qu'il a la solution. Elle ne mourra point. Tu mourras à sa place. Ton féticheur qui s'appelle Bakari t'a menti. Tu vas mourir toi-même. Au nom puissant de Jésus. Le feu, 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 le feu. Shalom. Action à l'Éternel, c'est fait. On acclame le Seigneur. Assieds-toi après la prière, viens me voir. Enlève la main. Tu vas répéter avec mon Seigneur Jésus. J'ai foi. Que tout vent qui vient des quatre côtés, Saint-Esprit, nous maîtrisons ces vents. Nous les maîtrisons. Seigneur, agis et manifeste-toi. Seigneur, agis et manifeste-toi. Je vais donner le sujet de deux pays. Amen. Nous allons prier pour le Burkina Faso. Parce que l'Éternel m'a montré une vision où j'ai vu le cortège du président qui a été attaqué. Il y a eu beaucoup de morts. Même des ministres sont tombés. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu d'étendre sa main sur ce gouvernement, que l'Éternel les protège. Nous prions le Seigneur. Même si tu n'es pas de cette nation, prie. Parle à ton Dieu, prie le Seigneur. 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 Le chef d'État de ce pays se déplaçait pour aller dans une autre ville où le cortège a été attaqué. Parle à ton Dieu, prie le Seigneur. Demande à Dieu sa protection. Parle à ton Dieu, prie. Parle à ton Dieu, prie. Amen. Nous allons prier pour une deuxième nation au Zimbabwe où j'ai vu toute la nation était en deuil parce que la tête était tombée. Il est resté dans son sommeil. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main sur lui et que l'Éternel le protège. Nous prions le Seigneur. Parle à ton Dieu, prie. Parle à ton Dieu, prie. Seigneur, tu es vivant. J'ai vu l'étoile qui entrait dans le ciel, où le ciel était devenu noir. Et tu m'as présenté le drapeau de Zimbabwe. Seigneur, tu es Dieu. Je bénis ton nom parce que Père, quand tu reviens, tu as la solution. Seigneur, étends ta main et glorifie ton nom. Seigneur, tu protèges cette nation. Seigneur, agis et glorifie ton nom. Seigneur, j'ai foi. Manifeste tes grâces, tes faveurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous retournons ici, nous allons répéter ensemble. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche
dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Éternel, et j'habiterai dans la maison de la prospérité. Et j'habiterai dans la maison de la longévité. Et j'habiterai dans la maison de la santé. Et j'habiterai dans la maison de la protection. Et j'habiterai dans la maison de la gloire jusqu'à la fin de mes jours. Je vais prier. Seigneur, garde ton peuple. Tu les laisses aller en paix. Je prophétise que cette semaine soit une semaine de victoire. Tu es vivant et tu es fidèle. Éternel, merci parce que tu agis. Accomplis ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bénis ton voisin, Ajeti. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez cette photo? C'est des fibromes dans mon ventre. Et j'ai été opérée. Un an après l'opération, on me dit non, les fibromes ont poussé. Mais celui que moi je prie là, il est plus fort que tout. Les actions prophétiques, c'est tout. Quand on nous parle des actions prophétiques, mes soeurs, mes frères, c'est très, très important. Avec ça aujourd'hui, quand on me voyait sauter là, c'est pas parce que je suis la meilleure danseuse de l'église, mais c'est ce que Dieu fait pour moi là. Je m'inspire en dansant. Donc, c'était vraiment mon témoignage. Que Dieu vous bénisse et nous fortifie. Dieu a agi puissamment. Elle avait un fibrome dont elle a été guérie miraculeusement. Dis Amen. Alléluia. Manière de dire que les médecins peuvent détecter le mal et puis Dieu traite le mal. Et elle a été guérie. Je veux qu'on acclame le Seigneur très fort pour elle. Nous allons tendre la main vers elle. Nous allons prier et demander la grâce de Dieu. Nous allons dire à Dieu de toujours la maintenir en bonne santé. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Tu as fait un miracle. Tu l'as guérie du fibrome. Tu es le seul médecin par excellence, celui qui guérit. Je veux te bénir. Merci parce que ce que tu as fait pour elle, tu le feras pour toutes ces personnes ici présentes. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis Mebel Salé. Au fait, j'ai un côté ghanéen et puis un côté ivoire. Voilà. Donc, ça fait 5 mois que je suis en France ici et quand je suis arrivée, j'étais chez ma cousine. À chaque fois que je vais à l'hôpital, on me dit tout va bien. Mais au premier trimestre, je suis allée faire échographie, on me dit j'ai un fibrome. J'ai dit à Dieu, fibrome l'a quitté. Moi, j'ai déjà 2 enfants. À mon jeune âge là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec un fibrome. J'ai dit au médecin, d'accord, j'ai pris mon truc, je suis venue partir à la maison. Et au deuxième trimestre, je ne voulais pas aller faire l'échographie. À chaque fois que je viens, papa me demande, tu vas faire quoi? Il dit, papa, moi j'ai raté mon rendez-vous. 2 fois, tu rates rendez-vous. Ah, il faut faire 1 fois, tu vas faire. Il dit, d'accord. Donc j'ai fermé les yeux parce que j'avais peur du résultat. Et madame, vous ne voyez rien à part le bébé là. Elle dit oui. Il dit, mais la dernière fois, vous m'avez dit que j'avais fibrome. Elle dit, attends, je vais consulter mon ordinateur. Donc elle rentre dans sa machine, elle fouille. Elle dit, effectivement, j'avais vu un fibrome qui était plus gros que le bébé au premier trimestre. Mais je ne vois rien. Donc ce soir, je voulais vraiment dire merci à Dieu pour sa grâce, pour sa main. Franchement, il faut dire que ce n'est pas facile, mais avec Dieu, tout est grâce. Voilà. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez, ce témoignage est grand. Il y avait un bébé, il y avait un fibrome. Mais dans la ville, à l'église ici, il y a des bébés casseurs de fibrome. Il a cassé le fibrome. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu as un miracle qui vient du Seigneur, Dieu s'arrange à le conserver. Et mets ta foi en Dieu. Dieu guérit toutes les maladies. Alléluia. Nous allons prier pour elle. Demander à ce que ce miracle soit conservé. Et qu'elle se porte bien, elle et son bébé. Prions le Seigneur. Parle à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Cet enfant, je déclare qu'il soit gardé, protégé par toi. Tu lui donnes de la vie. Tu le protèges au nom de Jésus. Ce que tu as fait pour elle, tu le fais pour les autres. Au nom de Jésus. Tel que le fibrome a disparu, tous ceux qui ont des fibromes, en ma qualité de prophète, je déclare que tout disparaît.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Très fort, acclame le Seigneur. De toi, partout où je passe, je suis à la tête et non à la queue, et non fond de destinée. Je suis une étoile, partout où je passe, je brille. Enfant de destinée. Est-ce que tu m'as dit aujourd'hui?